cette personne-là, c'est lui qui a les règlements pour t'envoyer. C'est-à-dire qu'il veut avancer avec toi pour aller prendre ton aïe. Il dit, toi tu es OK, moi je ne t'accompagne pas. Parce que cet esprit, lui, il rentre pas avec toi pour parler. Dieu t'a déjà dit que c'est pour toi. Tu dis, depuis je cherche, je me bats ici. Il dit, oui, Dieu veut partir avec toi, mais il y a beaucoup de femmes. Tu ne peux pas avoir ça, ce que je t'avais donné, ça a commencé à se mettre. Parce que dès l'instant que tu as dit, je suis enfant de Dieu, que tu l'as accepté, Dieu aussi dégage des promesses sur toi. Maintenant, quelqu'un doit t'accompagner, te parler tous les jours. Or, celui qui t'accompagne pour parler tous les jours, lui, il n'aime pas péché. C'est pour ça que nous devons faire attention. Amen. Dès l'instant que tu as accepté Jésus, si tu es un homme, tu es une femme, celui avec qui tu as les rapports, va connaître Dieu, sinon tu perds, si tu mens, tu ne vas pas rentrer dans tes promesses. Amen. Si tu es un garçon, tu es une femme, tu commets adultère matin, midi, soir, tu ne rentres pas parce que personne ne t'accompagne. Les gens n'ont pas dit ça. Si tu es un enfant de Dieu, que tu dis Jésus, je t'attends, il attend ta main au moins, il veut partir, il voit que ton mari, il ne connaît pas Dieu. Il te lève ta main, il dit, toi tu n'arrives pas là. Ta femme ne connaît pas, non. Tu fais comme ça, non. Tu es orgueilleux, tu mens, tu fais tant. Non, il y a plein de choses dans la Bible, c'est pour ça qu'il faut parler à nous, Dieu. Tu n'as pas divorcé, tu maries ici, tes problèmes, tu vas gagner. Tu es dans le péché, Saint-Esprit dit, je ne vais pas avec toi. Parce que tu, à travers de ton mari, là, ton point est collé sur toi, Dieu lui voit que tu es marié à Christ. Tu n'es pas bien divorcé. Tu dis, Dieu, je t'assais, parlons, prends mon argent, viens, te laisse là. Saint-Esprit dit, je ne suis pas dans ça. Lui, là, il ne pas du il n'est pas marié devant Dieu. Amen. Bon, maintenant tu as appris. Et tu continues, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, là, c'est par rapport à qui? C'est devant Dieu. C'est ce que Michel disait tout à l'heure. Parce que tu as appris, Dieu dit, tu n'es pas fait. Et toi, tu fais. Mais tu as fait de ton gars, ça dit dans la parole de Dieu, là, toi, tu choisis ce qui t'arrête. Ce qui ne t'arrête pas. Jésus qui t'arrête. Tu deviens orgueillé, par exemple, tu ne changes pas. Amen. C'est comme on était avec un homme, on a lavé un porc au village. Parc, on a lavé un porc, là, bien, il a quitté les rentrées dans la boue. Mais c'est la même chose. Parce que lui, il est à l'aise et dans le boue, il s'en fout de sa porte. Il peut même parfois dire, lui, lui, il est dans le boue, il est bien. Oh, disciples n'aiment pas vous. Donc, disciples, c'est pour ça que je préfère avoir des disciples. Les disciples n'aiment pas vous. Mais chrétiens, ils aiment vous. Chrétien, il faut chrétien un peu. Ce qu'il aime, le pasteur là-même, il a trop de commandements. Même. Mais ce n'est pas le commandement du pasteur. Le pasteur te dit, avant de Dieu que tu as accepté là, voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois marcher. Et quand Paul a demandé, il était aveugle. C'est pour ça que Dieu a fait exprès. Il a dit, Paul, tu es en train de me persécuter. Mais je vais t'accepter pour faire de toi une puissance. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va à Damas. Mais en même temps, regardez, il ne voyait pas clair. Il dit, va à Damas. Et les gens ont attrapé ses mains. Il est arrivé à Damas. Mais écoutez, quand il est arrivé à Damas, c'est quelqu'un qui l'a imposé les mains. Et quand Ananias et Jésus l'ont imposé les mains, la Bible dit, que quand il a eu l'imposition des mains, et ce que nous sommes en train de faire ce matin, il a reçu l'Esprit Saint. Mais comment Paul a terminé? Le fait qu'il ait reçu l'Esprit Saint et qu'il a commencé à marcher comme ce que Dieu voulait, malgré qu'il avait persécuté les enfants de Dieu, Paul a commencé à faire un miracle. Il a regardé un magicien comme ça, il dit, c'est Paul maintenant qui parle, il dit, toi tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Ce que tu fais là, tu es faux. Au nom de Jésus, je te détruis, le magicien est tombé. Paul, qui n'avait pas Dieu, qui a reçu l'imposition des mains, qui a été un, qui marche selon Dieu, a commencé à faire miracle. Amen. Et quand il va de ville en ville, comme il le dit, Dieu maintenant l'accompagne. Parce que Paul marche selon Dieu. Si tu marches selon Dieu, vous allez voir, il y a des choses que Dieu a déjà mises. Il a dit tout à l'heure, chaque enfant a un don.
Tu as un don. Et Dieu va toujours. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu va faire grand dans ce pays par rapport à son intelligence. Tu mens. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais fait grand quelqu'un intelligent. C'est le don qui est en toi là. Il prend ce don et puis il te fait en haut. Ouais. Ton don. On parle de jouer comme les droits, je dis c'est don. On parle de d'autres personnes, c'est ton don. Il y a des gens qui ont le don de chanter. Il y a des gens qui ont le don de danser. Il y a des gens qui ont le don de jouer musique. Il y a des gens qui ont le don de faire d'autres choses. Il y a des gens même qui ont le don de conduire. Même le gars peut conduire, même si il aime ça. Il y a des gens, n'importe quel don. Maintenant, quand toi tu es enfant de Dieu, ton don là, tu es au milieu des personnes qui conduisent, mais c'est toi on remarque. Amen. Parce que tu as Seigneur avec toi. Parler aussi, quand toi tu parles, tout le monde est content, on dirait que c'est ça. Toi, tu parles parles, tu énerves les gens. Il y a des gens aussi, ils te font le gars, même dans les mensonges, parce que ça, c'est un peu comme ils te voient. Ça dit, tu n'as pas envie de prendre silence. Quand il t'a parlé, quand il s'en va, tu as payé, puis ton cœur est nerveux, tu dis, mais il m'a eu. Il m'a eu, je voulais. Non, père, merci. Toi, ta femme, vous discutez, mais qui a dit de faire ça? Tout à l'heure, il a dit. Le gars, il a parlé. Il a parlé. Les gens, c'est ton don. Et c'est ça. Oh, ce don-là, pour qu'il se développe en moi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'évangéliste a dit. C'est pour ça que pour faire quelque chose, il faut demander. Si tu ne connais pas, demande à ton pasteur. Il va te dire ça là, c'est pas bon. Si tu veux faire affaire de Dieu, c'est ça là qui est bon. Voilà comment on marche. Voilà comment on ne marche pas. Voilà, et vous allez voir que Dieu sera avec vous. Je dis ça parce que chacun a un don dans cette église. Tu connais Dieu, non pas forcément dans cette église. Dieu va utiliser ton don. C'est pour ça que il a dit tout à l'heure, priez, demandez pour que là où vous êtes faible. Quand tu reconnais devant Dieu, tu n'as pas prié. Quand tu reconnais devant Dieu, tu dis, Seigneur, vraiment, c'est il faut faire. Moi, j'avais un défaut que j'ai reconnu. En tout cas, j'ai combattu deux défauts. Moi, mon affaire de chercher femme avant, ce n'est pas bon. Mais depuis que j'ai connu Dieu, ma femme sait. Peut-être que je ne sais pas quand elle est seule, mais elle a dit, Seigneur, merci, il a connu. Parce que Abidjan, ma femme me cherchait dans les hôtels à un pirigeois, il y a plus de elle met piment. Et puis elle cherche dans les hôtels. Elle a l'argent comme ça, elle donne aux gens en bas. Il n'y a pas une idée de bon gars qui est venu ici. Quand le gars dit non, il veut protéger ses clés, il dit, voilà, mais c'est ça. Il regarde dans le cahier. Elle regarde. Elle dit, non, il n'est pas ici. Je suis souvent aussi bien que quelqu'un. Je suis sorti. Quelque chose, je voulais sortir à la grande porte. Quelque chose m'a dit non, sors pas, tu es là-bas. Donc je dis à la fille, va, sors par là-bas. J'arrive. Quand la fille est sortie, je suis sorti là-bas. Mais on dirait qu'elle a su ça le temps qu'elle contourne. Elle m'a vu en train de partir. Elle dit où tu vas? Elle avait pu le voir. C'est la fille qui est partie. C'est tout bon. Amen. Et je sais que tu peux discuter avec elle. Vous pouvez parler avec des messieurs, madame. Mais dès qu'elle touche le lit, c'est fini. Elle est partie. Donc je garde mes appuis. Je ne veux pas que je garde ça chez mon petit frère là-bas. Parce qu'il n'habitait pas loin. Et puis je suis dans mon bout. Je ne vois pas où je dors. Dès qu'elle touche le lit, je la regarde, je me réveille, je suis parti. Mais, tout ça, Dieu, c'est quand tu veux, tu peux. C'est fini. Souvent, même, il y a des frères qui ne sont pas même vraiment depuis qu'on a dit qu'elle a vraiment quoi. Hein. Oui, mais c'est parce que j'ai oublié ça. Le deuxième défaut que je luttais avec, c'était remettre les choses à Dieu-même. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. C'est pas grave, c'est qui a su me dire que je peux faire ça. M'a dit je peux faire ça. Je vais aller voir quelqu'un tout à l'heure. Bon, vraiment,
demain, je ne peux pas faire. Un jour, ma femme m'a appelé. Toi, tu as entendu le pasteur l'indiquer, il veut te consacrer évangéliste maintenant, afin de mettre les choses demain là. Si tu veux aller voir, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu dis qu'il faut faire ça. Et une autre fois, c'était la sœur Pascal. On a dit à lui, il dit, grand frère, vraiment, je t'aime beaucoup, mais vraiment, si demain tu veux faire quelque chose, vraiment, il faut faire. Il a dit ça doucement. En voiture, il a descendu, il est parti. Il dit, ah, si deux personnes sont des visages, c'est pas vrai, c'est pas bon. Tu vois? Une fois, c'était un moment que non. Là, on était à l'église. Où je commençais maintenant à prêcher, c'était un peu plus là, j'étais évangélisé. Elle m'a appelé, papa, parce qu'elle est un peu plus là, viens te parler. Vraiment, je sais qu'il y a un jour, tu vas devenir homme de Dieu, mais ce qui est bien, quand tu dis, on a qu'à prier là pour venir là, si tu veux faire ça, vraiment, c'est bon. Il dit, Seigneur, moi je vais changer ça. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas 100%, mais 90%, je fais ce que je dois faire. Amen. Je fais ce que je dois faire. Amen. Donc Dieu me bénit. En tout cas, Dieu me bénit. Amen. Il y a des choses auxquelles je ne m'attends pas. Je sais que quand ça va être une faiblesse, je le fais. Dieu est toujours là. Amen. Si vous ne pouvez pas quelque chose, demandez à des frères, ils vont vous aider pour prier. Parce que Dieu, là, il est là. Mais tout ce qu'il veut, que ce soit Abraham, les leaders dont l'évangéliste a parlé tout à l'heure, Dieu leur a dit, marche devant moi. Amen. Marche devant moi. Marche devant moi. Dieu parlait de la sanctification. Amen. C'est vraiment mon problème. Sinon, dès que tu es enfant de Dieu, dimanche prochain, tu vas prêcher sur quelque chose. La ressemblance. Pourquoi Dieu dit, il vous a créé à sa ressemblance là, vous allez voir pourquoi. Amen. Donc, nous sommes des dieux. Hein? Nous sommes des dieux. Et dans la Bible, il a dit ça à un moment donné, devant un problème, il a dit, voici, je te fais Dieu. Et Dieu même a dit, à partir de maintenant, je te fais Dieu. Devant un problème, et le problème a été réglé. Comment Dieu a réglé le problème? C'est-à-dire, quand il avait dit dans Genèse, faites à mon ressemblance là, il a dit ça maintenant à un moment donné. Et il a eu la victoire. Donc on peut. Ce matin, j'encourage tout le monde. Que chacun regarde. Qu'est-ce qui est encore gauche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là où il y a blocage, qu'est-ce qu'il y a encore fait? Et puis qu'il demande à l'Esprit de Dieu de l'aider dedans. Parce qu'il y a trop de tentations. Nous sommes dans un pays où l'argent économiquement est un poids. Donc souvent tu es obligé de te compromettre pour faire des choses. En Afrique, quand les gens disent démon là, on ne le voit pas. Mais ici, la démon sape. Et puis il marche. Amen. Amen. Il sape. Un jour, il y a une femme qui est venue payer pour terminer par là, elle est venue payer messe. Jolie fille comme ça. Elle a payé messe, je l'ai servi. Moi, je n'ai pas bien appris. Elle est partie. Vers 14h, coup de fil dans le store. Ben, elle est chauffeur, mais elle maîtrise les choses. Et c'est dans le store où j'étais venu matin là. Où il y a un monsieur qui avait lui, avec moi, et j'ai fini, elle là. J'ai fini de voir elle. Elle est venue vers 14h. Elle dit, oh, mais c'est bien. Oh, mais c'est joli, c'est bien tracé, tata. Mais quel est ton nom? J'ai dit Edmond. Elle est partie. Vers 18h là. Oh, hey, Mr. Edmond, je peux t'inviter à dîner ce soir? J'ai dit hier. Yeah. Il n'y a pas de problème. Mais je vais venir avec ma femme, avec mes enfants, avec mes frères. Elle dit, oh, yeah. Ah, c'est hier. Je vais venir dîner avec Joe. Joe va aller manger. Joe, non, parce que je peux aller chercher la nuit. Si tu peux appeler, ils vont venir. Comme tu sais, garçon, voilà, je viens avec tous les gens avec moi. Les garçons. Je viens, tu es encouragé, tu es garçon. Mais qui je suis, voilà. Je vais venir là-bas. Quand il a dit ça, après le dîner est fini. Donc, ça, ils sont là, ils se promènent. Mm-hmm. Tu vois même du verbe avec la chape, tellement ils sont bien. La personne.
Mais on va aller comme ça. C'est la même chose aussi. Quand les hommes ne vivent pas, il y a des femmes qui abattent. Quand les hommes vivent, il y a des femmes qui sont malades. Femmes aussi abattent la chat. À douce. Seulement, votre façon d'emballer la chat, on ne sent pas ça. C'est pour nous là. C'est pour nous là. Nous, quand on emballe, là, il y a bruit, ça fait plou. La prédication qu'il a faite aujourd'hui là, c'est pas tout le monde qui a courage pour faire ça. Que chacun prie et que tout le monde la force. Amen. Amen. Et vraiment. Et je voudrais aussi terminer par notre frère Arsène que je voudrais qu'on acclame. Ça fait la deuxième fois qu'il vient ici. Et le dimanche dernier, il est venu. Il m'a appelé. Nous sommes allés chez lui, ma femme et moi. Amen. Il a dit non seulement qu'il accepte vraiment maintenant Dieu, amen, mais qu'il se joint à l'Église. Amen. Et le vendredi, il voulait venir à la veille de prière. Sa clé est perdue. Il a laissé son téléphone. Il a pris mon adresse. Et il a pris un bus de chez lui jusqu'à la veille de prière. Yeah. S'est passé là-bas, c'est Dieu qui sait. Amen. Aujourd'hui, c'est un frère. Et quand on priait, Dieu a mis beaucoup de choses. C'est pour ça que nous tous, nous avons individuellement chez lui que nous le soutenons en prière. Amen. Et la prière que l'évangéliste a dit tout à l'heure, on l'a fait, accepter la paix, il a accepté tout ça. Amen. Et vous allez dire, l'ennemi va pouvoir s'élever. Aujourd'hui, c'est vrai, sa femme n'est pas là, mais il est venu avec son fils. Amen. La preuve, c'est que lui, il vient avec bébé. Il y a plein de soeurs là-bas. Mm-hmm. Amen. Et il a dit, pasteur, moi, je ne sépare jamais de quelque chose, même quand je déménage. Mm-hmm. C'est vrai que je ne joue pas, mais je vais donner ça à l'église. Amen. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça maintenant, Dieu va envoyer la personne. Amen. Je me débarrasse de ça pour la première fois dans la maison de Dieu. Amen. C'est le don pour les saints que je peux faire. Amen. Yes. Voici la guitare que ton frère t'a donnée. Amen. Et donc, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu soit avec lui. Amen. Que Dieu soit avec son personne. Et vous dans votre aussi. La Bible a dit tout à l'heure que vous votre aussi. Quand il a accepté Dieu et qu'il a marché dans les voies de Dieu, Dieu a commencé à faire des miracles dans sa vie. Amen. Amen. Je prie aussi pour bon berger. Amen. En tout cas, je l'ai vu ce matin, j'étais content. Amen. 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 Il y a Amadou aussi qui est là. Yes. Je voudrais qu'on acclame. Il commence à devenir. Il y a le doyen, des doyens, des nouveaux. C'est le grand guest. Yes. C'est notre caméraman. Capitaine de c'est signé sur le website, c'est mis en bas guest. Yes. Amen. Amen. On a notre petit Latif qui est là. On commence à jouer le son. Vous voyez, c'est comme ça que Joe a commencé. Quand Joe est arrivé du pays, c'était le fils de Kenon qui jouait cascadien. Joe voulait jouer quelque chose. Quand il s'est approché, on l'a donné faire. Donc il se mettait au milieu, il tapait fer. À un moment donné, tellement il tapait bien fer, il a pris une fois casse-cagnette, il a pris casse-cagnette, la manière qu'il a tapé, il a arraché casse-cagnette. Finalement, on dit à l'enfant de Kenom, non, donne un gros dos à casse-cagnette. C'est comme ça que Joe a pris casse-cagnette. Et il y a eu un dimanche, c'était le pasteur qui jouait batterie.
un dimanche, tu dois venir s'asseoir sur la batterie. De la manière que Joe a joué la batterie, le pasteur dit il ne va pas chanter son nom. Il n'est plus jamais comme ça. C'est comme ça que Joe a récupéré la batterie. Aujourd'hui, il joue la batterie. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est comme ça, voilà, la pif, la compagnie fait avec Cascadienne. Souvent, il me pousse un peu sur ta pif. Et c'est qu'il veut jouer, donc il gagne. Il n'y a pas beaucoup de gars pour voir ce qu'il veut. On a peine de se pousser un peu. Moi-même, jouer ça, la même avoir sué, puis venir prêcher. Maman, tu ne vas pas faire parler avec moi. Je vais t'apprendre comment on fait pour que tu joues bien. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Et les hommes vont commencer à s'organiser demain. Les femmes vont commencer à s'organiser. Et on va rentrer dans le mois d'avril. Je vais baptiser tous ceux qui sont nouveaux. Amen. Bon, ils vont être baptisés. Amen. Et puis on va commencer. On a des hommes puissants ici. Yeah. Vous pouvez dégager le bon berger à faire là-bas. Le boucantier. Le boucantier, il va faire boucantier pour Jésus maintenant. Et là-bas, là, il n'y a rien. Les démons se promènent au dehors. Voilà. Donc, on a des gens puissants. Et on va faire des choses. Le dimanche aussi, ça, c'est au niveau du conseil. Vraiment, on va tout faire. On a notre réunion. Là. Pour pas l'ennemi va nous distraire. On a notre réunion. Et je crois que c'est une bonne réunion. On va parler de pas mal de choses. Amen. Amen. Soutenons tous l'église en prière. Amen. Prions. C'est notre église. Amen. C'est notre église. Aujourd'hui, là, on n'a pas de papa, on n'a pas de maman ici. Ce sont nos frères. Quand il y a quelque chose, on ne souhaite pas. Au moins, le fait de savoir que tu as des frères qui vont venir te soutenir. Mm-hmm. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que ça. Donc, soutenons-nous. Dieu est grand. Il y a d'autres qui sont en route. Amen. Chaque jour, Dieu va envoyer. Il n'a pas dit dans la Bible, j'ai envoyé 60 000 un coup. On dit... Ceux qui étaient déjà là étaient assidus, ils priaient, ils jeûnaient, et Dieu envoyait un an. Mais qu'est-ce que dans la Bible, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit qu'il envoyait tout le monde. Hein? On dit qu'il envoyait ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire ceux que lui-même, il savait qu'il va utiliser là. Il les envoie un peu, un peu. Voilà Michel qui est là, je dis, ça chauffait, elle me connaît. Ce jour-là, ma bouche est devenue blanche en grève, j'ai mis pour mal. Elle ne dit pas non. Elle ne dit pas non, elle dit oui. Mais elle ne vient pas, mais elle ne dit pas non. Elle est courageuse. Dieu le ciel est là, c'est notre partenaire. Amen. On va se lever pour plus. Qu'est-ce que je dis pas non? C'est non qui a pas pouvoir. C'est la vie de Dieu qui a décidé d'être là. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour les enfants ce matin. Toi qui es Dieu, toi qui es éternel, tu as dit, je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Mais allez partout et faites des disciples. Amen. Seigneur, donne-nous la force d'aller vers les frères, d'aller vers les sœurs et de parler de la gloire de Dieu et de faire des disciples, Seigneur. Amen. Tu as dit, partout où vous serez, je ne vais jamais vous abandonner, mais marchez dans la lumière, marchez dans la sanctification. Seigneur, ce matin, tue tout ce qui est orgueil au nom de Jésus devant de tes enfants. Seigneur, donne-leur la force de pouvoir marcher dans la sanctification, dans la pureté, Papa, pour que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Papa, ce matin, je te confie chacun de tes enfants. Nous avons commencé la semaine dans ta maison. Amen. À ton nom, je détruis tout esprit d'accident, au nom tout de problème, Jésus, Papa, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Ceux qui travaillent, Seigneur, bénis-les-toi avec eux dans leur travail. Seigneur, ceux qui ne travaillent pas, donne-leur du travail. Seigneur, je bénis ton saint nom pour la gloire de ton nom. Que ton armée et tes anges campent autour de chacun de nous. Que ton sang, Papa, nous partons de ta maison. Que ton sang, couvre chacun de nous. Ta faveur et ta grâce se rattachent à nous. Et que cette semaine soit une semaine de victoire, de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.